Hello les curious. Alors moi c'est Greg et derrière la caméra c'est Fleur. Aujourd'hui on est au Rajasthan dans le nord de l'Inde et plus exactement à Pushkar. On est au Pushkar Fair Festival. On est dans une foire à chameaux, une des plus grandes d'Asie, qui se passe une fois par an et ça rassemble des milliers de gens qui viennent vendre leurs chameaux mais aussi leurs chevaux. Et il n'y a pas que ça, c'est un énorme festival et il y a aussi des compétitions. Compétition de danse de chevaux et il y a même une compétition de celui qui a la plus belle moustache. Un truc qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point ils soignent leurs chevaux pour qu'ils soient au top. Les chameaux, eux, sont décorés de la tête aux pieds avec des parures multicolores. La foire de Pushkar a lieu une fois par an et certains viennent des campagnes les plus reculées pour vendre leurs animaux. Alors oui, vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté. C'est incroyable, il y en a de partout. Il y en a de partout, c'est magnifique les couleurs. Après, on est complètement perdu, je sais pas où donner la tête. Par là, par là, par là, il y a des rues partout. Il y a un monde de fous là, ça commence à arriver. Et on va continuer, hein, c'est parti. Un beau cheval en tout cas, hein. Très très beau chevaux ici. Oh, d'ailleurs, regarde. C'est marrant, juste là-bas, ils font danser leurs chevaux sur le rythme de la musique. Incroyable. Je viens de me rendre compte d'un truc là depuis tout à l'heure. Je dis des chameaux, mais c'est des dromadaires, ils ont qu'une bosse. C'est toujours la même chose. Chameaux, dromadaires, je sais plus. Tous, ils ont qu'une bosse. C'est des dromadaires, messieurs. Des dromadaires. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est le style rajasthani. Ils sont beaux gosses, ils ont un style, les gars. Enfin, vraiment, mais le style rajasthani, hein. Le vrai rajasthani avec sa moustache et son turban. Honnêtement, là, ça commence à creuser un petit peu, on n'a pas trop mangé. J'ai envie de me faire un petit truc local. Un bon petit chai avec un chapati. Ça se passe là. Oh là là, incroyable. Je sens d'ici, hein, ça sent trop bon le chai, là. Voilà le bon chai. Pour ceux qui ne connaissent pas le chai, c'est la boisson indienne par excellence. Un thé noir au lait et aux épices comme gingembre, cardamome, cannelle. Oh là 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 là, ça va être bon ça. Excellent. Je pense que je vais prendre un chapati là. Oh, il a l'air pas mal celui-là. Tout chaud, tout frais. Chapati, c'est du pain indien. C'est mieux avec de la sauce, hein. Là, je le mange parce que je suis forcé. Fleur m'a forcé de le manger. Comme le pain, tu le manges tout seul, bon, ça va, 5 minutes. Faut mettre quelque chose dessus. C'est pareil, mais c'est bon. Mais c'est sec. Ça y est, là, il y a du moustachu dans le coin, là. Je retrouve les copains. Ah, Daniel. Petite info, la moustache de ce monsieur, une fois déroulée, mesure 5,5 m de long. Et ça fait 29 ans qu'il l'a fait pousser. En gros, depuis que je suis né. N'hésitez pas à mettre un pouce like, un commentaire ou à vous abonner. Moi je vais rester avec mon ami.